Hey, tu sais pas comment se passe une conférence chez Magic Dream? Et bah t'as de la chance parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment ça se passe, c'est parti. Lior Manor. Et en plus, devine quoi? Il y a des débutants et des professionnels. Et j'ai même pu les interviewer pour avoir leur réaction et je te partage ça tout de suite. On sort de la conférence de Lior Manor et c'était la deuxième fois que je le voyais, moi je l'avais vu à Blackpool. J'avais beaucoup aimé sa conférence et là, il a mis des nouvelles choses, plein de gags et surtout c'est drôle. C'est drôle, on a bien rigolé et c'est un des... Alors les gens ne le savent pas trop, mais c'est un des inventeurs du PK Touch. Si ce n'est l'inventeur avec le loop du PK Touch, donc il nous a appris plein de trucs. Il nous a montré des produits de chez Bacoré aussi qui sont des petits génies. Et vraiment c'était bien, ouais, c'était bien. Et j'ai même un tour que j'ai fait à la télé mais qu'il ne sait pas. Un tour qu'il nous a présenté ce soir, bon c'est plus un gag qu'un tour, mais non c'était super. Bravo Magic Dream, très bon choix. Lior Manor, une des meilleures confs que j'ai jamais vues. One of the best sessions I ever seen. Lecture, not session, lecture. C'était vraiment complet, hein, vraiment. Non, franchement, il y avait plein de trucs corporate à faire avec les boîtes, avec le nom des boîtes. Non mais c'est complet, tu repars avec quand même pas mal d'idées quand même, c'est bien. C'est validé. Ouais, c'est bien, c'est validé. Merci Magic Dream. Let's go. Je connaissais Lior, j'aimais beaucoup son travail. Je suis pas là, c'est la première fois que je le vois du coup en live. C'est hyper intéressant de voir quelqu'un de pro et corporate et de voir un peu sa manière de réfléchir. C'est toujours inspirant. Tout le monde, à chaque fois, tout le monde redit un peu la même chose, donc c'est drôle, vous avez tous aimé pareil quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est le truc qui marque en tout cas. Enfin, ça sent que c'est vraiment dans son identité. Et c'est super chouette en tout cas de le voir vraiment travailler. Moi qui aimais bien son travail, le fait de le voir en live, c'est toujours un plus. Donc c'est très très chouette. Allez voir ça en spectacle. C'est clairement un worker, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on voit que c'est pas son coup d'essai quoi. Donc on connaît un rayon, et donc il y a plein d'astuces très sympas, surtout quand on fait du corporate. Donc c'est validé. C'est validé. Let's go! Mais ce n'est pas tout, parce qu'avant la conférence, on partage un moment convivial chez Magic Dream autour d'un verre et même on partage des tours de magie. C'est pareil, de faire des résidences, etc. Là, Yata, il est en train de boire du coca, voilà. C'était de l'ice tea, excuse-moi. Mais non, mais c'était de l'ice tea. C'est que... J'hésite pas, ma ice tea. Merci. Voilà. Pour nous, c'est vraiment un moment où on peut échanger, donc on s'amusera aussi à présenter comme ça les nouveautés à venir, qu'elles viennent dans un an, qu'elles viennent dans 6 mois, à vous présenter des choses nouvelles. Donc à chaque fois que vous viendrez, vous verrez des nouveautés, puisqu'on a pas moins de 15 sorties prévues. Donc on a plus d'un an de sorties Magic Dream de prévues. Voilà, on travaille comme des fous. Et sans compter les idées qui sortent et qui arrivent tous les jours. Donc merci à tous en tout cas d'être venus, les amis, dans... Lors de cette conférence, on a pu également découvrir MATT, mais ça, c'est un projet que vous allez découvrir très bientôt. Et tu sais quoi, si toi aussi tu veux vivre cette expérience unique avec notre équipe, tu peux nous retrouver lundi pour la conférence d'Unsunshine à 20h. Et pour finir, je vous partage quelques petits souvenirs. Lundi.